Notre périple commence en Haute-Savoie, sur les contreforts du massif des Bornes. Nous prenons la route en compagnie d'un écrivain voyageur. À travers ses livres, Philippe Lemonnier raconte l'histoire des itinéraires qui traversent les Alpes. Aujourd'hui, il nous emmène sur une route mythique, la route des Grandes Alpes. La route des Grandes Alpes, c'est découvrir des patrimoines qui sont aussi bien des patrimoines culturels, architecturaux et des patrimoines humains, des terroirs. Il n'y a rien de comparable par la variété des paysages qu'on est amené à rencontrer sur les quelques 700 km. Ensuite, elle passe quand même par les 16 plus grands cols routiers. Je crois que ça lui confère ce caractère mythique, ne serait-ce que pour ça. La route des Grandes Alpes relie le lac Léman à la Méditerranée en 680 km. Elle part de Thonon-les-Bains, passe par Bourg-Saint-Maurice, Briançon, jusqu'à Menton. Commencée à la fin du 19e siècle, c'est alors une route militaire destinée à surveiller la frontière italienne. Nous retrouvons Philippe Lemonnier à 60 km au sud de Thonon-les-Bains. On est à quelques kilomètres du col de la Colombière, mais qu'on aperçoit maintenant, qui est coincé entre des pentes herbeuses d'un côté et du minéral de l'autre. C'est un vrai plaisir de gravir, là, de voyager dans ce paysage. La route grimpe jusqu'à une altitude de 1613 mètres pour franchir ce premier passage entre deux vallées. Le col de Colombière est un col très court. En fait, on est à peine arrivé en haut du col qu'on va redescendre de l'autre côté. Voilà, c'est un col très court. On a quitté une vallée qui était relativement encaissée. Et là, on a une vallée qui est complètement ouverte. C'est plus qu'une surprise, c'est une découverte. Une découverte, et elle est toujours inattendue. Le col a toujours été un passage très fréquenté l'été pour accéder aux alpages de la vallée du Grand Bornand. Ils s'étendent à l'ombre du point culminant de la chaîne des Aravis, la pointe percée. Aujourd'hui encore, c'est avant tout le domaine des troupeaux de vaches. C'est ça aussi la route des Grandes Alpes. Pour un citadin, c'est complètement inattendu. Tout d'un coup, tout s'arrête, les cyclistes, les motards, les voitures, tout simplement parce qu'il faut bien que le troupeau rentre à l'étable pour se faire traire. Il va le ramener. Allez. Allez, brave, va chercher, tu vas chercher les vaches qui te manquent. Ça, je trouve ça fabuleux. De voir ce spectacle-là et le troupeau de vaches, c'est plus que du paysage, c'est l'âme un peu de la montagne. On n'imagine pas les Alpes et les alpages, donc, sans vaches. C'est tout au moins dans les Alpes du Nord. En reprenant la route, Philippe croise les premières fermes du village de Chinaillon. Si on est un petit peu attentif, allant du nord au sud, on sent les changements de région, ne serait-ce que par exemple par les toitures, comme ici au Grand Bornand, où il y a ce type de toiture pour laquelle je vais m'arrêter. Là, on a un toit qui, en l'occurrence, me semble typique de la région, gardé dans son jus et rénové à l'ancienne, c'est-à-dire avec des tavaillons, c'est-à-dire des tuiles en bois qui sont normalisées, je crois, à 80 cm de long et qui ne sont pas fixées. Plus les parneiges qui sont posées et puis qui sont maintenues avec des pierres du coin. On va pas aller acheter des matériaux, on prend ce qu'il y a dans la nature. Ces chalets d'alpage étaient habités uniquement à la belle saison. Cela m'impressionne. De la route, je l'avais aperçu. C'est pour ça que je me suis arrêté en imaginant, et je crois que je ne me suis pas trop trompé, qu'il s'agissait d'un chalet qui a deux siècles d'existence, qui je trouve que c'est pas mal. Et un chalet qui semble avoir gardé ses fonctions d'origine, avec en haut la solerie pour mettre le foin, et puis en bas le bétail. Je trouve qu'il a de très, très belles proportions.
voilà en route pour le Grand Bornand et les Aravis, avec le massif des Bornes derrière nous, en laissant également le vieux Chinaillon, ce village au chalet ferme multicentenaire et sa toute petite église, sa petite chapelle. Et là, le massif des Aravis qui se déploie vraiment dans toute sa splendeur, avec ce soleil de fin d'après-midi, et c'est magnifique. On a cet élément minéral vers lequel on se sent attiré comme un aimant. La chaîne des Aravis se dresse comme une barrière de 25 km de long. Son seul point de franchissement, c'est le col des Aravis, une échancrure qui permet de passer de la Haute-Savoie à la Savoie. Lorsqu'on arrive sur le col des Aravis, on a l'impression d'arriver sur un plateau et c'est vraiment entièrement dégagé. On n'est pas sur ce col de la Colombière qu'on passe en 30 mètres. Là, on a 500 mètres de col. Et on approche de la petite chapelle Sainte-Anne qui est dédiée aux voyageurs. Comme à peu près à tous les cols, il y a une chapelle qui est bâtie. Voilà, Sainte-Anne protégeait les voyageurs. La fonction de chapelle était effectivement soit pour remercier un saint d'avoir sauvegardé quelqu'un, et également pour permettre aux gens, à certaines périodes, de pouvoir prier. La chapelle accueillait ainsi les paysans montés en alpage, trop éloignés l'été de leur paroisse. Mais la vie du col a changé avec la création de la route au début du XXe siècle. Les premiers touristes l'empruntent alors pour rejoindre Chamonix. C'est le changement de versant de col qui effectivement apporte ce changement de paysage. De ce côté-là du col, on est beaucoup plus boisé, notamment des conifères. On a une joie à faire ce parcours, à monter, à enchaîner les lacets. C'est un vrai voyage. La route des Grandes Alpes est aussi celle des grands paysages. Certains de ces points de vue magnifiques sont des sites classés depuis plus d'un siècle. Toute l'année, une spécialiste sillonne la Haute-Savoie pour veiller sur ces panoramas. Je suis souvent sur les routes pour aller sur mes sites et c'est parfois le moyen de voir des paysages fabuleux. Par exemple, ici, on est sur un vaste plateau d'altitude agricole, habité, et puis au fond, tout d'un coup, en lucarne, et puis progressivement prenant de plus en plus d'ampleur, on a le Mont Blanc qui s'offre à nous, on a ce contraste un petit peu entre le vert des herbes et des bois, et puis bien sûr les neiges éternelles qu'on voit au loin. Juliette Bligny s'occupe des sites classés, une distinction créée en 1906 pour protéger les paysages. Elle doit s'assurer que ces espaces naturels remarquables sont respectés. Une particularité de notre travail, c'est d'être sur le terrain. Il faut aller ressentir le paysage, l'état d'esprit des lieux, et essayer d'imaginer comment on veut que ce paysage évolue et comment on veut qu'il soit protégé. Un site classé, il doit procurer une émotion, parce qu'il est exceptionnel. Juliette commence sa tournée dans les gorges du Pont du Diable. La rivière Drance de Morzine a taillé dans la roche calcaire ce canyon profond d'une soixantaine de mètres. Ce matin, des travailleurs sur corde se préparent pour une opération spéciale. Aujourd'hui, on va aller à un endroit où d'habitude les gens ne vont pas. On va descendre près de la rivière, hein, c'est pour ça qu'il y a des câbles. Et ça va permettre d'enlever les troncs d'arbres qui sont accumulés dans la marmite de géant. On les voit très bien là, à nos pieds. C'est important de venir quand il y a des travaux sur des sites classés,
parce que c'est mon métier, en fait, de vérifier que ces travaux sont bien compatibles avec l'état des lieux du site. Les émotions qui se dégagent ici, il y a d'abord l'effet de surprise, et puis une fois qu'on y est, on est dans un rapport très intime, en fait, hein, parce que les gorges sont resserrées, elles sont relativement petites, on se sent enveloppé par le site, on est un petit peu comme dans un autre monde. Hein. Le lieu est visité depuis la fin du 19e siècle. À cette époque, des escaliers sont taillés directement dans la roche et des passerelles en bois sont construites pour descendre au fond des gorges. Le site est le premier à avoir été classé en Haute-Savoie en 1906. Au fil des millénaires, la rivière a sculpté des formations circulaires. Ces marmites de géants. Elles sont dominées par le fameux pont du diable. Une arche naturelle, longtemps utilisée par les habitants pour franchir les gorges. Juliette Bligny longe à présent la rivière Giffre pour parvenir à un des sites naturels les plus majestueux de la région. À partir de Sixte, la route serpente doucement jusqu'au fond de la Combe. Ces falaises-là qui s'imposent à nous avec les cascades qui, quelque part, donnent un petit peu la dimension, c'est vraiment exceptionnel. C'est une vraie invitation à aller découvrir, à aller plus loin. La façon dont on découvre un site, c'est également important. Pas uniquement le territoire qui est protégé, mais aussi la façon dont on le découvre. Le site où Juliette nous emmène se trouve derrière ces falaises. C'est l'impressionnant cirque du fer à cheval. Des dizaines de cascades jaillissent de la roche calcaire tout autour de cet amphithéâtre de 4 km. Ce site a été classé donc en 1925 sur le critère artistique, parce qu'à l'époque, il n'existait que ce critère-là. Il a été classé justement pour rendre compte du caractère monumental du site, des contrastes qu'il habite, contrastes entre les zones assez planes en bas, érodées par les glaciers à l'époque, et puis ces falaises tout à fait monumentales, contrastes aussi en matière de couleurs, entre le gris des roches et puis le patchwork de vert qui est offert par les espèces végétales. Juliette vient inspecter des travaux récents avec le gardien de la réserve naturelle. Donc là, c'est la passerelle qu'on a autorisée l'année dernière. Voilà, c'est ça, ouais. Ça sert bien dans le paysage, là. Et ça correspond bien à ce qui était prévu, je sais pas, ouais, une petite complètement. Photo. Complètement, ouais, ouais, ouais. Tac. Du deuxième morceau. Ensemble, ils doivent trouver le moyen d'aménager le site tout en préservant le paysage et ce cours d'eau typique des torrents de montagne. On a ici les premiers bancs de gravier complètement nus, donc il n'y a aucune végétation, rien. Vous avez un petit peu plus loin à droite les premières herbes qui vont venir coloniser ces bancs de galets nus. Un peu plus au fond, à gauche, les premiers arbres, donc qui sont des saules qui viennent s'installer par-dessus les herbes. Et ensuite, ici à droite, un boisement qui est un peu plus âgé, qui a plusieurs dizaines d'années, sur lequel on voit que les frênes, les aulnes sont venus s'implanter à la place par-dessus les saules. Et il y a aussi quelques épicéas. Juliette poursuit seule son inspection du fond de la Combe. Ce que j'adore dans ce site, c'est que ce chemin qui serpente, on a vraiment envie de le suivre. On est tendu vers l'objectif, comme si on cherchait un trésor au bout du cirque. Et puis ce trésor, on le trouve parce que, voilà, le paysage est juste magnifique. Voilà, ça y est, j'arrive au fond de la Combe. Waouh, le spectacle est toujours aussi grandiose. Ces falaises impressionnantes et le Giffre qui cascade
avec sa petite passerelle. C'est une passerelle d'aventurier un petit peu. À une douzaine de kilomètres de là, Juliette poursuit son travail au départ de la station de Flaine. Elle doit inspecter une autre curiosité géologique classée. Pour s'y rendre, elle emprunte le téléphérique des Grandes Platières. On a laissé la forêt derrière nous, là, avec ce cirque autour de Flaine. On a vraiment des vues qui sont saisissantes, je trouve. Et puis l'herbe, là, commence à se raréfier. Et progressivement, on arrive à l'espace minéral. À l'arrivée du téléphérique, à 2500 mètres d'altitude, s'étend le site classé. Le désert de Platé et sa vue extraordinaire. Alors d'ici, s'offre à nous le panorama du Mont Blanc, la chaîne du Mont Blanc, bien sûr avec le mont en point d'orgue, les aiguilles vertes à gauche. C'est un panorama extrêmement large. Ça procure des sensations vraiment époustouflantes. Le désert de Platé est le plus grand lapia d'Europe. Une étendue de pierres calcaires sculptées par les eaux. La végétation se développe à peine, d'où son nom de désert. Il s'étend sur près de 2000 hectares. Alors il faut imaginer qu'ici, dans les temps anciens, il y avait un immense glacier qui recouvrait tout, et qui, par le fond, lentement, a érodé la roche pour créer une forme de modelé très plat. Ensuite, les glaciers se sont retirés, et c'est l'eau qui a commencé le travail d'érosion. Une érosion donc chimique de la roche calcaire, l'eau s'infiltrant dans toutes les failles, dissolvant la roche et progressivement agrandissant les failles pour créer ce type de structure qu'on voit bien ici. Mais on voit aussi le travail de démarrage avec les plus petites fissures. Tout est calme, tout est grand. Les vallées s'effacent, on a l'impression d'être un petit peu au-dessus du monde, comme sur une île. Ce paysage est le paradis des bouquetins. Savoie, la route des Grandes Alpes traverse un territoire façonné par les moines dès le Moyen Âge. De cette époque, il reste certains témoignages, comme l'abbaye d'Abondance. Son église domine toujours le village, du haut de son clocher à bulbe, caractéristique de la Savoie. Une quarantaine de kilomètres plus loin, la route nous mène au pied des Aravis, dans une vallée reculée. C'est là, à 1000 mètres d'altitude, que des religieux ont choisi de s'établir au XIIe siècle. Peu à peu, ils ont bâti l'un des plus beaux monastères de la région. La Chartreuse du Reposoir. Depuis 1932, elle accueille une communauté carmélite.
Nous sommes ici dans le cloître Saint-Michel, qui est un cloître de style roman. De ce côté-ci se trouvait le lieu de travail des frères chartreux, avec écurie, grange, et à l'arrière de la croix, le dortoir des frères. Donc c'est un lieu conventuel. C'est le lieu de vie des frères, par opposition au lieu de vie des pères, plus en solitude, qui se trouvait à l'est du monastère. Comme à l'époque des Chartreux, chaque religieuse aujourd'hui habite une de ces petites maisons, des ermitages. Elle y vit dans la prière et la solitude et cultive son jardin. Au pied de l'église, un petit cloître fermé au public révèle un trésor de style gothique montagnard. En Pays de Savoie, l'art gothique est assez peu présent. Et ici, au reposoir, nous avons un magnifique exemple de cette architecture de la fin du XVe siècle. Nous sommes ici dans un style de gothique tardif, où la grande verticalité de nos cathédrales d'Île-de-France se manifeste très peu. Lorsque nous regardons les piliers, on cherche le gothique. Ça reste trapu, austère, tel que le gothique de montagne s'est développé à cette époque. Nous avons dans cette niche une Vierge en pierre très originale et pittoresque, puisqu'elle tient dans sa main droite des fleurs des Alpes et qu'elle est couronnée de feuillages qui lui donnent un style particulier. Et l'on sait que Marie a une place primordiale dans la vie des Chartreux. Dans le premier cloître, une restauratrice travaille sur un cadran solaire. Il y en avait trois pour donner l'heure aux différents moments de la journée. Là, je suis en train de restaurer l'ancien décor en partie haute qui daterait du 17e ou 18e siècle avec cette devise « Quid hic statis tota die otiosis ». Pourquoi tenez-vous, vous, ici, toute la journée à ne rien faire? Et pourquoi, en fait, sur le cadran du midi? J'imagine que c'est l'heure la plus chaude et que peut-être il y aurait une tendance à l'oisiveté. Et donc, justement, c'est n'arrête pas de tendre toujours ton esprit vers une quête intérieure. Vous êtes en train d'entendre l'office de milieu de journée chanté par les sœurs du Carmel. C'est calme mais habité, c'est-à-dire qu'il y a des petits bruits tout au long de la journée d'une sœur qui marche et puis il y a son chapelet qui fait clic 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 clic. Il y a des bruits de porte, l'office, par rapport au brouhaha du fond de vallée en bas, j'apprécie doublement. Et ça me permet de travailler calmement, sereinement, sur un patrimoine simple. Il n'y a pas de faste, simplement de façon juste. Tout autour du monastère, les terres de la vallée du Béole appartenaient aux Chartreux. Ils font venir des paysans pour défricher les forêts, construire des fermes, aménager des alpages. À une quarantaine de kilomètres du reposoir, toujours en Haute-Savoie, voici la vallée de Morzine. Elle est à proximité d'un terrain d'entraînement pas comme les autres. C'est le lac de Montrion. Oh, ben t'es content, toi, tu chantes. Hein? Jacques-Olivier Travers est un fauconnier, passionné de rapaces. Il a recueilli cet aigle adulte né en captivité il y a 3 ans. C'est un pigargue à queue blanche, une espèce disparue du ciel de France depuis 2 siècles. C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? Ça va bien. Super ! Sa ressource alimentaire est restée en place, son biotope est en place, donc il n'y a rien qui s'oppose à le remettre un jour dans la nature, si ce n'est que... Aujourd'hui, bah, on l'a tellement fait disparaître que pour le faire revenir, il va falloir l'aider un petit peu. Jacques-Olivier entraîne l'aigle pêcheur à vivre dans son milieu naturel, les lacs de montagne. En 5 mois environ, il lui apprend à survoler l'étendue d'eau.
lui apprendre dans un premier temps à aller sur l'eau. Je me sers du kayak pour cela, parce que c'est ma présence en fait qui le rassure, sinon il ne veut pas aller affronter la masse d'eau. Et plus à petit, on s'éloigne. Il va s'habituer à son environnement sans que je fasse finalement grand-chose, juste parce que ma présence le rassure et lui permet de découvrir son environnement. C'est bien gros. Pour entraîner son aigle, Jacques-Olivier a choisi ce lac, car il est encore préservé. Les gens du coin appellent ici le Petit Canada. Et c'est vrai qu'on y est, vous voyez ces falaises, vous voyez ces arbres, c'est très beau le matin et le soir. On a des couleurs assez incroyables, puis c'est calme. C'est vraiment un endroit que j'adore. Dans l'eau, là. Alors, vous voyez, il regarde l'eau, il commence à regarder ce qu'il y a dans l'eau, c'est ça qui est génial. Encore un mois d'entraînement et l'aigle osera plonger pour attraper des poissons. Les lacs de montagne ont un avantage, c'est que c'est une eau qui est très alcaline. On voit vraiment assez profond et pour l'oiseau, ça a quand même quelque chose d'assez rassurant. Finalement, il commence à voir, il voit des herbes, il voit des poissons qui passent, il dit tiens, il y a une vie, il y a quelque chose. Et vous voyez, là maintenant, il est vraiment tranquille, il fait sa petite vie, il regarde tranquillement. Sur les hauteurs du lac, Jacques-Olivier entraîne un autre aigle. Allez. C'est un pigargue à tête blanche. Oh, quelle sortie, monsieur! Tu ne me fais pas le coup de descendre dans le trou, hein. Je ne veux pas te chercher aujourd'hui. Hein. Cet aigle apprend depuis 6 mois à voler en liberté. Pour profiter des meilleures conditions de vol, Jacques-Olivier utilise un terrain de décollage de parapente. Ici, on est juste à l'entrée de la station de ski d'Avoria. On domine toute la vallée de Morzine. On est dans ce qu'on appelle le début des Alpes du Nord. Juste derrière nous, là, une vingtaine de kilomètres, on a le lac Léman. Et juste derrière la pointe qu'on voit là, la pointe de Ressachaud, on a la Dent de Jean. Et juste derrière, le Mont Blanc. Si on montait un tout petit peu, on le verrait. Donc là, on est dans des décors vraiment somptueux. Des sommets entre 2000 et 4500 mètres d'altitude. Parfait décor pour des aigles. Allez, gros. Voilà. Allez. Cherche pas à aller trop loin. Pour l'entraîner, le fauconnier vient ici plusieurs fois par semaine avec son aigle. Donc là, voilà, il prend un vent de face, il est vraiment dans la vallée. Donc là, il faut le tenir un peu à l'œil parce qu'un aigle, c'est une finesse de 30. Lui, il peut faire 30 km à partir de 1000 mètres de haut. Donc là, sans faire un mouvement d'aile, je pourrais le retrouver quasiment à Chamonix. Allez, chirac ! Hop ! Voilà, je préfère quand même le faire revenir un peu, le laisser dans le bocal ici, qui est le bon endroit pour voler. Voilà, ça revient, là, il est vient. Ce qu'on appelle vent de cul, c'est pas très beau comme expression, mais c'est-à-dire que le vent le pousse vers la montagne, donc il va revenir très fort vers moi. Ah, il a trouvé un petit thermique, là, une petite pompe, donc il l'enroule. Lui, il en profite, là. Ça l'éclate. Donc là, on commence à voir un oiseau qui maîtrise bien son aérologie, hein. Il n'y a pas de souci. Hop ! Voilà, donc là, l'oiseau réagit, hop, il revient. Allez, on est sur le sommet de la pente, donc c'est vraiment très turbulent et ça le remonte en fait. Et donc il faut vraiment qu'il rétrécisse complètement la surface de ses ailes pour pouvoir venir se poser le plus délicatement possible sur le gant. Un peu comme si dans la nature, il voulait se poser sur un arbre ou quelque chose comme ça. Bah voilà, c'est exactement le même principe. À un moment, quand on a vraiment installé une complicité avec l'oiseau, il a le plaisir, lui, à partir. Hein, on le voit, là, il est quand même à 400-500 mètres d'ici. Il a plaisir à voler, il n'a pas besoin d'être avec moi. Mais par contre, au moindre signal, à la moindre demande, il va revenir me voir. Et c'est cette complicité-là que je trouve jolie. Et je pense que c'est ce qu'il y a de plus dur quand on va le perdre, parce que, mine de rien, on passe des heures à faire ces vols-là. Je le connais par cœur, je sais presque de quel côté il va tourner et tout. Et c'est vrai que j'aime ce travail-là, parce qu'il y a aussi cette petite prise de risque, bien sûr. Quelques semaines plus tard, à l'automne, Jacques-Olivier décolle en parapente avec son aigle. Une étape incontournable dans l'apprentissage du vol. Le parapente, c'est le seul instrument qui nous met au même niveau qu'un aigle, c'est-à-dire qu'on n'a pas de moteur.
Dès qu'on va aller dans une belle ascendance et tout ça, l'oiseau va venir avec nous, il va suivre, il va vite comprendre que ça monte à cet endroit-là. Dès qu'il va sortir, il va comprendre que ça descend. Donc c'est une leçon, j'allais dire, par l'expérience, qui est inégalable. Aujourd'hui, on n'a aucun autre outil qui nous permette de faire ça. Moi, c'est de revoir cet oiseau libre dans le ciel de France, parce que moi, j'ai la chance de les voir maintenant, aujourd'hui, autour de moi, voler. Et tous les gens qui les voient me disent tellement c'est beau, c'est magnifique cet oiseau. Et il a sa place, et c'est notre devoir, j'allais dire, de lui laisser une place en tous les cas à côté de nous. Ça, c'est ma mission, c'est d'expliquer ça aux gens. Et mon autre mission, c'est de faire en sorte que ceux que je prépare aujourd'hui soient capables un jour de retourner dans la nature. Jacques-Olivier Travers espère un jour recevoir l'autorisation de lâcher un couple adulte dans la nature. Pour le moment, seule l'Espagne est prête à tenter l'expérience. En Haute-Savoie, la route des Grandes Alpes contourne le sommet mythique du Mont Blanc. Regardez ces beaux glaciers suspendus face à nous. Et on est à côté du sommet du Mont Blanc. Au cœur de l'été, Ludovic Ravanel s'apprête à faire le tour du massif du Mont-Blanc par les sommets. Originaire de Chamonix, il étudie l'impact des changements climatiques sur la physionomie du massif. On a face à nous les deux refuges du Goûter. Et on voit très bien la trace ensuite qui monte jusqu'au dôme du Goûter, l'arête des Bosses, puis le sommet du Mont-Blanc là-haut. Trois personnes sur l'arête juste au-dessus du refuge. C'est la voie la plus empruntée, avec peut-être 10 à 20 000 passages. Et voilà, donc une trace qui est très bien marquée. Donc nous, on continue à prendre de l'altitude. On voit bien l'épaisseur de glace sur la roche, cette tranche ici qui est découpée, presque à l'emporte-pièce, et on voit donc la roche juste en dessous. Et donc, qu'est-ce qu'on découvre ? Eh bien, le sommet du Mont Blanc, 4808 mètres et 73 cm. Ce sommet, il évolue en termes d'altitude, parce qu'il faut savoir que sous le sommet, on a une épaisseur de neige et de glace d'une trentaine de mètres. Donc en fonction du vent, en fonction de la neige, ça évolue toujours. Et le sommet rocheux, il pointe une quarantaine de mètres plus à l'ouest. On a un décalage entre le sommet du Mont Blanc et le sommet rocheux. Essentiellement accessible au cours de l'été, ce sommet fait rayonner le massif du Mont Blanc dans le monde entier. L'hélicoptère s'approche de la voie historique qui mène au sommet du Mont Blanc. Voilà les séracs du glacier des Bossons. Cet itinéraire a été emprunté pour la première fois en 1786 par deux habitants de Chamonix, le médecin Michel Paccard et son guide Jacques Balma. Ici, au niveau de ce qu'on appelle la jonction entre le glacier des Bossons et le glacier de Tacona, on a un promontoire rocheux qui remonte. C'est la montagne de la côte et c'est là qu'ils ont bivouaqué. D'ailleurs, on a encore l'abri Balma. C'est simplement une pierre, mais ça leur a permis de s'abriter pour la nuit, de manière ensuite à lancer l'assaut en direction du sommet. Le lendemain,
les deux hommes mettront la journée entière pour atteindre le sommet. En fin d'après-midi, le Mont Blanc était vaincu. Ludovic plonge à présent vers les aiguilles de Chamonix. Sur notre droite, l'aiguille du Midi, avec un sommet nord, ce qu'on appelle le piton nord, c'est là où arrive le téléphérique. Un piton central, c'est le point culminant, d'ailleurs qui a été beaucoup plus difficile à gravir. Et un piton sud, avec un versant sud très raide. Donc c'est 250 mètres de verticalité, juste en dessous de nous. L'aiguille du Midi est la plus renommée de ce chaînon de pointe, long de près de 5 km. L'une d'elles, l'aiguille du Grépon, a été le théâtre d'une ascension mémorable. L'aiguille du Grépon, elle a été gravie pour la première fois en 1881. Et puis au début du XXe siècle, les guides de Chamonix, 8 guides, ont tenté de faire monter une vierge d'un mètre 20, 44 kilos, jusqu'au sommet. Il y avait encore une grande piété chez les guides, chez les habitants de la vallée de Chamonix. Ils ont réussi. Et aujourd'hui, cette vierge, elle est utilisée par les alpinistes comme relais. On fait relais sur la vierge, c'est dire si elle a été bien implantée. La cordée de 8 guides a été dirigée par mon arrière-grand-oncle, par le célèbre Ravanel le Rouge. Ben Ravanel, c'est comme les Charlets, c'est peut-être la plus grande famille de la vallée de Chamonix. Donc il y a un héritage alpin qui est fort. Beaucoup de Ravanel sont guides. Et moi, j'essaye de prendre le flambeau aussi du point de vue scientifique, donc en essayant de comprendre le milieu dans lequel on évolue. Passé les aiguilles, l'hélicoptère arrive face au Dru. C'est l'un des sommets emblématiques auquel Ludovic s'intéresse particulièrement. En 2005, une partie de la face ouest, appelée le pilier Bonatti, s'est effondrée, laissant une profonde cicatrice gris clair dans la paroi. La face ouest des Dru, elle est tombée en 2005 en raison du réchauffement climatique. Ce réchauffement climatique, il altère les conditions thermiques de la paroi. Normalement, c'est des parois qui sont gelées en permanence. Moins 5, moins 10 degrés. Et ce gel permanent permet la présence de glace dans les fissures. Et cette glace a un rôle de ciment. Et donc, tout simplement, si on fait fondre le ciment des montagnes, les montagnes s'écroulent. Voilà pourquoi le pilier Bonatti est tombé en juin 2005. Ludovic achève son survol du massif et redescend dans la vallée de Chamonix. Après la Haute-Savoie, la route des Grandes Alpes traverse le département de la Savoie. Pour commencer, nous voici dans le Beaufortin. C'est sur ces pentes que nous retrouvons Philippe Lemonnier en quête des plus belles étapes de cet itinéraire de légende. Alors qu'on roule en direction du sud, tout d'un coup, l'Est surgit au détour d'un virage et on découvre le massif du Mont Blanc. On prend en pleine figure cette lumière. En descendant dans la vallée, la route permet de découvrir une succession de villages accrochés au flanc de la montagne. Et voilà, la route des Grandes Alpes nous amène au bourg de Hauteluce. Et on arrive, on découvre cette magnifique église baroque du XVIe siècle avec son bulbe extraordinaire. Et voilà qu'on arrive face à une maison-porche. Et on va passer sous la maison par le porche pour déboucher sur l'église. Au sortir du passage, se révèle la surprenante façade en trompe-l'œil, peinte au XIXe siècle. C'est à la fois un théâtre grec, et puis en haut, on dirait un chalet. Si on lève la tête, on n'a plus l'impression d'avoir l'église, puisqu'on ne voit pas le clocher qui est derrière. C'est assez extraordinaire. À l'arrière de l'église, Philippe va nous montrer un autre décor étonnant.
c'est surtout la façade qui invite à faire le tour. Et puis là, on n'est pas déçu quand on tombe sur cette faucheuse qui mesure le temps qui nous reste. Ce memento mori, c'est souviens-toi que tu es mortel. Avec ses 55 mètres de haut, le clocher de Hauteluce est un des plus élevés de la région. À peine 7 km plus bas dans la vallée, la route traverse Beaufort, la capitale du Beaufortin. On arrive donc dans cette ville qui est au creux de la vallée et s'étend au-dessus magnifiquement la verdure des alpages, les vaches d'abondance et tarines qui font le Beaufort, ce fromage qui fait finalement la réputation de la région. Dans les caves de la coopérative sont conservées près de 20 000 meules en cours d'affinage. Bonjour. Bonjour. Quel coup de main, vous retournez combien de meules comme ça par jour ? Tout dépend des jours, mais plusieurs centaines, on va dire. D'accord. Ça permet de frotter les deux faces deux fois par semaine. C'est le frottage au sel qui permet à la croûte de se former lentement. Tout d'un coup, on rentre dans cet univers qui a ses hommes, qui a ses amours du métier, qui a ses techniques. Comme là, retourner 40 kilos juste à la main, je ne regarderai plus de la même façon un morceau de fromage. Donc là, c'est un Beaufort. Beaufort été. Un Beaufort d'été, qui a donc un an d'affinage. C'est ça. Je goûte. J'étais en dessous de la vérité. C'est plus que bon. À la sortie de Beaufort, la route remonte le cours de la rivière du Doron. Elle mène vers l'un des fameux barrages du Beaufortin. On se dirige vers le lac de Roseland. Les épicéas arrivent à s'ériger droit comme des i, alors que quasiment la paroi est elle-même presque verticale. Le barrage a été construit au milieu du XXe siècle, en engloutissant le village de Roseland. C'est l'un des plus élevés de la Savoie. Il fait partie des paysages les plus spectaculaires de la route des Grandes Alpes. C'est assez impressionnant, cette masse d'eau, avec cette montagne en face de nous, qui s'érige et qui se reflète dans le lac. C'est peut-être ça aussi qui rend la route mythique, c'est que non seulement elle est longue, mais c'est une variété infinie de paysages. On en a plein les yeux, voilà. Et là, on aperçoit la petite chapelle Sainte-Anne-Sainte-Madeleine qui domine le lac. Magnifique chapelle. Magnifique assemblage de pierres avec ses deux petits carillons. C'est vraiment impressionnant d'être devant cette chapelle et de se dire que, voilà, là, il y avait sous les eaux un village et qu'on a extirpé cette chapelle pour qu'on s'en souvienne, pour que la mémoire reste. Je trouve que c'est un beau geste. Cette portion de la route des Grandes Alpes est une des dernières à avoir été construite en 1970. Elle traverse les anciens alpages de Roseland et se faufile dans un verrou naturel vers le plan de l'Allais. Ah,
La particularité du plan de l'Alès, c'est que deux routes mythiques se croisent. La route des Grandes Alpes sur laquelle on est, bien entendu, mais également la grande traversée des Alpes, qui est le chemin du lac Léman à la Méditerranée, mais à pied, le GR5. Philippe atteint enfin le Cormet de Roseland, un col à l'écart des voies de communication anciennes. À l'origine, seuls les gardiens de troupeaux l'empruntaient. Le Cormet de Roseland, le col de Roseland, à 1968 mètres. Là, on est vraiment à la limite du Pau-Fortin et de la Tarentaise. Bien sûr, il y a le petit panneau saut de la Savoie. C'est collector, ces panneaux. À une soixantaine de kilomètres de Roseland, le massif de la Vanoise. Ce sont les premières hautes montagnes sur la route des Grandes Alpes. Direction Méribel, à 1700 mètres d'altitude. Des passionnés perpétuent une technique de pilotage initiée par des pionniers de l'aviation de montagne. Puissance, on l'a. Pas d'alarme, on continue. Pas d'alarme, 90. 100. Ok, voilà. Bon. Décalage. Doucement ton assis. Voilà. Doucement ton assis avec le décalage. Laisse-le prendre de la vitesse. Là, t'es trop. Voilà. Et voilà. On s'en va sur la droite. Voilà. Noël Genet est instructeur. Il guide Christian pour son premier atterrissage sur glacier. De l'hôtel de Papé Kilo, on est passé sur ski. Hein. Ok, d'accord. Et regarde ton ski. Oui. Le ski recule. Les pilotes doivent sortir les skis d'atterrissage à l'approche des cimes enneigées. Ils vont voler en formation jusque sur le glacier. Là, c'est la vallée qui monte vers les Menuires et Val Thorens, la station de ski qui est au fond. Et là, on va passer dans la vallée maintenant du perron des Encombres. Le perron des Encombres, c'est le sommet qui est là à 11h. Et le col là-bas qui est un petit peu à gauche du perron des Encombres, donc un petit peu à l'est. Pour passer d'une vallée à l'autre, les avions doivent franchir la montagne au niveau des cols afin d'éviter de trop monter en altitude. On va se rapprocher un petit peu des crêtes, hein, donc un petit peu à droite. Voilà. Maintenant, tu refais un petit inclinaison à gauche. Ça, ça va être joli là, si on passe là comme ça. Là, tu prends ta vitesse, tu gardes ta puissance, tu prends ta vitesse, d'accord? Commence à incliner un peu à droite pour l'instant. Pour l'instant, voir si ça passe. N'oublie pas, quand on va arriver au col, on n'arrive pas perpendiculaire. On commence à incliner à gauche et après on saute de l'autre côté. Allez. Maintenant, tu inclines un peu à gauche. À gauche. Voilà. On regarde de l'autre côté. Allez, on saute de l'autre côté. Voilà. Nous sommes au mois d'avril, la fin de la saison pour atterrir sur les glaciers, qui sont encore couverts de neige. Alors le glacier où l'on va, c'est le glacier qui est tout droit devant là-bas. Ça, c'est le glacier de Saint-Sorlin. Bon, tu reprends la montée là. Noël et Christian sont les héritiers des pionniers de l'aviation de montagne. Elle se développe en même temps que l'alpinisme dans la première moitié du XXe siècle.
les débuts, les hélicoptères n'existaient pas. C'était beaucoup pour faire de l'aide de sauvetage en montagne, de ravitailler les refuges, ce qui posait des problèmes, parce qu'on ne peut pas se poser à n'importe quel endroit, donc ils allaient se poser où la nécessité se faisait sentir. Si c'était posable, ils se posaient. Il n'y avait pas besoin d'autorisation. Aujourd'hui, l'atterrissage sur glacier est particulièrement réglementé. Dans les Alpes françaises, il n'y a que 8 surfaces autorisées. Bon, lorsqu'on se pose sur un glacier, effectivement, c'est sur des petites altisurfaces qui font 300 à 400 mètres de long, on remonte une pente jusqu'à 20, 25, voire 30%. On ne peut pas se permettre une erreur de vitesse, d'analyser le plan. Et là, il faut absolument une rigueur à tout point de vue. Et en plus, il faut faire très attention de ne pas aller se poser après une chute de neige de 50, 60 cm. Parce que là, on risque d'y rester. Tant qu'on a passé le col du Perron des Encombres, on tombe dans la vallée de la Maurienne. On part en gros de vers Albertville et qui remonte vers Bonneval, Bonneval-sur-Arc, Modane, Solières, voilà. Avec Saint-Jean-de-Maurienne en dessous. C'est maintenant le moment crucial. Les pilotes s'approchent de la surface d'atterrissage. Christian, tu vas prendre un petit peu plus à droite pour qu'on aille vers le côté nord du glacier de Saint-Sorlin. On est à 130. Ouais. Tu peux mettre tes volets, Christian. Oui. Voilà, tu montes plus surtout, ouais. Tu es monté un petit peu. Ouais. Tu vois les cailloux qu'il y a sur le côté qui sont perpendiculaires à notre axe. Oui. On va prendre un point de visée qui est un peu plus haut que le caillou qui est le plus bas. Oui. Ok. Oui. D'accord. Allez, ouais. Maintenant faut descendre. Allez, on descend. Le début, c'est une forte inclinaison, bien sûr, oui. En mettant des gaz. Voilà. Allez, voilà. Dès maintenant. Jack, 130 en finale minimum. 130. On arrondit avec de la puissance. Ouais. Allez. Voilà. Et commence ton arrondi. Commence ton arrondi. Commence ton arrondi, voilà. Donc là, quand il y a du dévers, voilà, des gaz. Ok, voilà, doucement. La glisse est excellente. Ah oui, allez. Ah, c'est super. Hein. Allez, on déclenche le virage. Manche avant, extérieur, réduction. Voilà. Mission accomplie pour Christian. Cette qualité de glisse qu'on a eue là, c'est magique. Ah, c'est super. Bon, tu t'es pas mal débrouillé, tu as bien négocié ton virage, tu as remis des gaz un tout petit peu trop tôt. Donc tu Allez. Fais attention en descendant, à ne pas glisser sur l'aile, vu que ça penche de ton côté. Ouais. Voilà. Ah, au début, c'est impressionnant. Bon, j'ai beaucoup fait de ski, comme on voit les skis de randonneurs ici, mais là, c'est avec un avion. Ça, c'est autre chose. C'est pas seulement voler, aller faire des heures de vol, aller d'un point à un autre. Regardez ce paysage avec le Mont Blanc qui est au fond. Regardez la couleur du ciel, quoi. C'est vraiment extraordinaire. Hein. Bientôt, le glacier va réapparaître sous la neige. Les pilotes de montagne devront attendre l'hiver suivant pour revenir ici. Côté du massif de la Vanoise, un événement a lieu une fois par an. Cette année, c'est au mois de juin. C'est l'ouverture du col de l'Iseran. Pendant l'hiver, cette partie de la route des Grandes Alpes est utilisée par les skieurs. Aujourd'hui, elle va être rendue à la circulation. Ah, c'est toujours la même émotion, hein. Il y a une charge symbolique qui est très très forte. C'est un petit peu comme l'ouverture des soldes, si on voulait faire une comparaison. D'ailleurs, les motards attendent, ils piaffent d'impatience, comme les cyclistes. Xavier Bernier est géographe, spécialiste de l'histoire du franchissement des Alpes. Ici, bien sûr, on a affaire au roi des cols routiers français, le plus haut en altitude, 2770 mètres. Donc cette charge, elle est
doublement symbolique parce qu'elle marque en quelque sorte l'ouverture de la saison. Les deux engins doivent déneiger dans la journée une portion de 50 mètres de long, couverte par 3 mètres de neige. Mais pendant longtemps, même les cols les plus élevés étaient praticables toute l'année. Le col de l'Iseran, c'était un chemin muletier. Il y passait des fromages, du sel, des voyageurs. Les diligences elles-mêmes ont passé ces cols de façon extrêmement précoce. Et elles passaient toute l'année. Il y avait déjà une diligence Lyon-Turin. Donc l'idée d'une montagne barrière, l'idée d'une montagne qui gênerait la circulation, c'est une idée qui est extrêmement récente. Elle est apparue avec l'avènement de l'automobile. Auparavant, les voitures à cheval passaient sur la neige, tassées par des traîneaux. Cette portion de la route des Grandes Alpes est inaugurée en 1937 par le président de la République en personne, Albert Lebrun. Ça se passe en juillet, pourtant le chemin est sous la neige. Il faut creuser un tunnel pour permettre le passage du convoi présidentiel. À l'époque, c'est tout le col qui est aménagé, avec des bâtiments caractéristiques de ces lieux de passage. Alors on voit que finalement, les chronologies sont toutes assez proches. Le col est ouvert en 1937 et cette chapelle est inaugurée en 1939. Aujourd'hui, elle est la destination d'un certain nombre de manifestations religieuses qui ont lieu l'été, avec des fêtes qui arrivent à rassembler une population assez importante. À la fin de la journée, le col est à peine dégagé que les premiers usagers s'y risquent déjà. Jésus, Marie, ça glisse. And what's so enjoyable about it? Well, to feel like people are the authority is actually clearing the pass, you know, kind of just for us. It's a bit special. Le col de l'Iseran est le trait d'union entre les vallées de la Maurienne et de la Tarentaise. Ces deux principaux axes de circulation en Savoie sont jalonnés de monuments. Le géographe Christophe Gauchon est également spécialiste du franchissement des Alpes. Il survole pour la première fois ces voies de passage. Il commence son vol dans la combe de Savoie, où conduit la vallée de la Maurienne. Face au débouché, un château est construit au Moyen Âge pour garder le passage. Château de Miolan et on repère qu'elles sont juste en face du débouché de la vallée de la Maurienne. Donc il s'agissait d'un point de contrôle qui a été exploité dès le Moyen-Âge par le comte de Maurienne qui permettait de sécuriser le débouché de cette voie très importante en direction de l'Italie. Donc ça montre que l'axe doit être contrôlé sur toute sa longueur et ça a été un jalon important dans la constitution du comté de Savoie. Christophe Gauchon s'engage maintenant dans la vallée de la Maurienne en survolant la rivière de l'Arc. C'est un axe très important. C'est l'un des axes principaux de franchissement des Alpes entre la France et l'Italie. Donc d'une part, il y a des héritages historiques, puisqu'on a vu que c'est la voie qui avait été privilégiée depuis le Moyen-Âge. Mais au XIXe siècle, cette voie est renforcée par un équipement qui à l'époque est tout à fait spectaculaire, qui est le creusement du tunnel du Fréjus, donc qui va ouvrir à la circulation des trains en 1871.
puis un tunnel routier est creusé, et enfin une autoroute est construite à la fin du XXe siècle. Donc c'est intéressant de voir sur la longue durée, à travers différents types d'innovations techniques et puis aussi de réseaux, comment la vallée de la Maurienne a maintenu son rôle très important dans le franchissement de cette partie des Alpes. L'avion survole les forts construits pour garder cet axe de passage. Comme la tour du Châtel, bâtie par un fondateur de la Maison de Savoie. Perché sur un nid d'aigle, le fort du Télégraphe a lui aussi été édifié pour verrouiller la Maurienne à la fin du 19e siècle. Mais c'est un peu plus haut dans la vallée que se trouvent les fortifications les plus spectaculaires. On trouve un autre verrou avec une gorge qui est relativement profonde et qui a été fortifié dans les années 1830-1840 par le royaume de Piémont-Sardaigne qui se gardait de son voisin français. Et ça correspond à la barrière des forts de l'Essayon. On voit très bien, ce sont des forts qui sont disposés de façon perpendiculaire par rapport à la vallée et qui occupent tout cet éperon, surtout en rive droite, mais également en rive gauche avec une redoute. Et ça permettait de bloquer toute la vallée sur ces deux versants. Ces forts sont devenus des forts français en 1860, quand la Savoie a été rattachée à la France. La France a retourné les forts, c'est-à-dire qu'ils ont été retournés vers l'amont, donc en direction de la frontière italienne. Et puis, progressivement, eh bien, ces forts ont été délaissés. C'est un patrimoine qui est extrêmement important, mais aussi très difficile à entretenir et à restaurer. Le géographe arrive maintenant vers le col du Petit Mont-Cenis. Un passage légendaire. C'est par ici qu'Hannibal et ses éléphants auraient traversé les Alpes en 218 avant Jésus-Christ. Là, nous survolons sur notre droite le plateau du Petit Mont-Cenis. On voit bien l'importance des alpages. C'est quand même des étendues qui sont assez importantes. Et donc le débouché de la route du Petit Mont-Cenis qui a surtout été fréquenté au Moyen-Âge, à la période carolingienne, et qui ensuite a été progressivement délaissé. À partir du XIIIe siècle, le Petit Mont-Cenis est abandonné au profit du col principal. Nous survolons le plateau du Mont-Cenis, la partie centrale occupée par le lac du barrage EDF, mis en eau en 1967-68. Le passage stratégique est entouré de fortifications construites par les Italiens. Le fort de Varizelle, bâti en 1875, est le plus important d'entre eux. Il défend de tous les côtés le col, grâce à ses canons, abrités dans chacune des voûtes. C'est toujours, d'une certaine façon, l'itinéraire le plus direct entre Chambéry et Turin, qui ont été les deux capitales successives des États de la Maison de Savoie. Donc le col du Mont-Cenis a toujours été privilégié pour être la route la plus sûre et la plus rapide à franchir. Alors jusqu'au XVIIIe siècle, les voitures tirées par les chevaux ne franchissent pas le col. Il faut démonter les voitures pour les pentes qui grimpent jusqu'au col et le remonter de l'autre côté. Et puis on est construite la route à l'époque napoléonienne qui est une route carrossable et qui permet d'avoir la continuité routière d'un versant à l'autre. Christophe Gauchon remonte à présent l'Isère et s'engage dans la vallée de la Tarentaise. Longue d'une centaine de kilomètres, elle est presque parallèle à la Maurienne. Les
Les deux combes étaient reliées par de nombreux cols. Donc là, sur notre droite, l'échancrure bien marquée du col de la Madeleine. Donc historiquement, il y avait beaucoup de points de passage pour les troupeaux, pour les piétons. Mais à partir du 19e siècle, quand il s'agit de construire des routes, il y a eu ce processus de tri dans les itinéraires. Donc le col de la Madeleine a été équipé d'une bonne route et qui rebascule derrière sur la vallée de la Maurienne. L'avion de Christophe Gauchon atteint maintenant le passage historique de la Tarentaise vers l'Italie. Le col du Pied-Saint-Bernard a été l'un de ceux dont on a les traces de fréquentation les plus anciennes. C'était un col important à la période romaine, puisqu'il débouchait côté italien sur Aoste. On a des monuments importants comme l'hospice, qui permettait d'offrir un havre aux voyageurs qui franchissaient ce col, été comme hiver. On ne peut pas le franchir en une seule journée, il faut au moins 2 jours, et on court le risque d'être pris par une tourmente, donc il faut trouver un point d'abri. L'avion de Christophe se dirige vers une arête rocheuse qui domine le col à 2400 mètres d'altitude. Juste en dessous de nous, le fort de la Redoute ruinée, qui était une fortification française qui servait à défendre ce point du Pied-Saint-Bernard, donc aujourd'hui un des monuments liés au passage, qui a fait l'objet de combats en juin 1940. Le bâtiment est édifié au 19e siècle sur les restes d'une fortification plus ancienne. La vallée de la Tarentaise se termine par un goulet sur le col de l'Iseran. Après ce passage, la route des Grandes Alpes traverse le vallon de l'Alenta, dans le massif de la Vanoise. De chaque côté de la route s'étendent des pâturages où les troupeaux passent tout l'été. C'est un site remarquable de Haute-Maurienne, car ici se maintient une activité devenue très rare. Ces prairies extrêmement pentues sont toujours fauchées à la main pour produire le fourrage qui nourrira les bêtes pendant l'hiver. On arrive dans une parcelle qui s'appelle le replat. Alors c'est des faux plats, c'est un peu incliné mais pas très pentu, où on peut faucher avec les crampons sur la machine, mais le faucheur n'en a pas besoin. Par contre, il y a certaines parcelles où il faut les crampons ou deux, sinon ça descend. Ça a bien séché, Jean-Luc ? Ah. Gabriel Blanc appartient à une des 6 dernières familles qui ramassent encore le foin à la main sur ces versants perchés à plus de 2000 mètres d'altitude. On a une technique, c'est à chaque fois on retire le foin devant les pieds, de manière à ne pas marcher sur le foin, sinon ça glisse. On maintient la montagne en état. On peut dire qu'on passe notre été à la peigner pour l'entretenir. Et pourquoi c'est important de l'entretenir ? Mais pour le paysage, les anciens l'ont maintenu en état. On a un devoir de continuer de perpétuer le savoir-faire et les traditions. Nous sommes fin juillet. L'orage d'été menace et risque d'abîmer la récolte du jour. Ça noircit bien sur l'Albaron. On entend le tonnerre, là, hein. Je crains que ça mouille un petit peu, là. À moins que ça parte sur l'Italie. Il faut faire vite. Pour protéger le foin de la pluie, Gabriel observe une pratique ancienne. C'est des petits tas de foin qu'on appelle des cuchons. C'est pour éviter que la pluie passe au travers et que le vent continue à sécher le foin. Donc ça se dégrade un petit peu moins que si on laisse le fourrage à plat sur le terrain. On lui fait toujours un petit chapeau rond de manière à ce que la pluie glisse dessus.
Ici, impossible de récolter le foin par des moyens mécaniques. Alors régulièrement, toute la famille vient en renfort. Début d'après-midi, là, tout le monde se rassemble sur le champ. Le matin, c'est un peu dispersé, mais l'après-midi, tout le monde se regroupe. Et puis là, vu les conditions météo qui dégradent, il va falloir que ça aille un peu plus vite. Chien de cirque. C'est vrai qu'on est assez nombreux, ce qui nous permet de pouvoir encore les exploiter, mais ça se perd de plus en plus. On voit la parcelle à côté qui est abandonnée depuis plus d'une quinzaine d'années. Tant que les parcelles sont entretenues, fauchées régulièrement, on a une diversité végétale, parce que dès qu'il y a l'abandon, il y a les plantes qui sont envahissantes, qui dominent et qui étouffent les autres. Parce que là, on maintient la diversité florale. Ce vallon a été sauvé par la construction de la route des Grandes Alpes au début des années 30. Alors, le fait qu'il y ait une route permet de maintenir la vie et de continuer de perpétuer l'entretien du paysage. C'est, je dirais même, indispensable pour nous, parce que sinon on n'aurait pas d'accès direct au village, ce qui poserait des problèmes. Parce que là, ça permet de maintenir la vie l'été. La route qui traverse le vallon de la Lenta a aussi permis de désenclaver Bonneval-sur-Arc, située à l'origine en cul-de-sac, tout au bout de la vallée. Le village est un des derniers préservés de Haute-Maurienne. Ses maisons de pierre et toits de lauzes sont caractéristiques de la région. Gabriel Blanc est le maire de la commune et se bat pour conserver ce patrimoine unique. Là, on arrive vers le cœur du village, donc on retrouve les petites ruelles étroites. Ça s'élargira un petit peu au-dessus. Donc les maisons sont en pierre. C'est vrai qu'il n'y avait pas de bois ici, il n'y a pas de forêt. Et on voit pour les toitures, c'est de la lauze, donc c'est des dalles de pierre. Les anciens construisaient avec les moyens du bord. Les lauzes étaient récupérées sur des carrières sur Bonneval, notamment vers l'Écou. Donc souvent, ils les extrayaient l'été. Ils attendaient que la neige tombe et durcisse un petit peu pour les rapatrier en fond de vallée. Ils vont glisser sur la neige dure. Situé au pied de pentes déboisées, le village doit se protéger contre les avalanches. Les anciens avaient imaginé une architecture adaptée. Alors là, on est en haut du village, donc on est sur les premières maisons. On voit une étrave qui permettait de casser la force des avalanches, puisque les avalanches descendaient par le passé jusque sur la place du village. Et on voit toute la ruelle, où les maisons, les unes après les autres, sont en étrave avec le mur incliné, et ce qui fait que l'avalanche descendait, mais en ayant beaucoup moins d'activité, ce qui limitait les dégâts. Bonneval-sur-Arc est le seul témoignage dans la région de cette architecture de montagne. Toute la Haute-Maurienne était faite un peu sous le même style, qui était joli comme tout, des beaux petits villages. Et la dernière guerre, tout a été brûlé, sauf Bonneval, qui a été protégé par les maquisards. Et vous y êtes attaché ? Très, très attaché. On y passe tout son temps, toute sa vie, et pour rien au monde, on voudrait lâcher le coin. Au départ de Bonneval-sur-Arc, la route des Grandes Alpes poursuit son itinéraire le long de la vallée. Elle quitte la Maurienne au col du Télégraphe et descend vers le sud. Elle traverse ensuite toutes les Hautes-Alpes jusqu'au col de l'Isoard. C'est sur la montée vers le col du Galibier que nous retrouvons Philippe Lemonnier. L'écrivain voyageur suit la vallée qui mène au col mythique. Trait d'union entre le nord et le sud des Alpes, c'est un des premiers tronçons aménagés lors de la construction de la route à la fin du 19e siècle. On est à la moitié du parcours et on sent que là, le paysage devient vraiment plus minéral. Là, on est vraiment dans la roche. Une belle matinée d'automne comme ça, dans un paysage aussi sauvage, ça donne vraiment envie de grimper, de continuer à parcourir cette route. Quand la route est inaugurée en 1911, le col du Galibier est le plus élevé de l'itinéraire. En 18 km, la route franchit un dénivelé de 1200 mètres. Un véritable Graal pour les cyclistes.
Le Tour de France ne s'y est pas trompé. Il est passé par ses lacets près de 60 fois. Voilà, on arrive à quelques dizaines de mètres du col, qui, contrairement à certains cols, se termine par le percement d'un tunnel qui va permettre de franchir le col. Et s'il existe bien une route, c'est une route récente qui a été créée après la fermeture pour réparation du tunnel entre 1976 et 2002. Depuis, le tunnel est interdit aux cyclistes qui ont obligation de faire un kilomètre de plus de montée pour pouvoir franchir le col. Le col s'élève à 2642 mètres. Pas de quoi décourager les cyclistes. Ils sont 40 000 chaque année à parcourir cette étape historique du Tour de France. Dans les années 30, l'épreuve est déjà passée 20 fois au sommet du Galibier. C'est le plus haut col du parcours. Il représente un exploit pour les coureurs. Le journaliste Albert Londres les surnomma les forçats de la route. Au col, Philippe Lemonnier atteint une frontière géographique. On fait nos derniers mètres en Savoie et en région Rhône-Alpes. Et de façon assez abrupte, en quelques mètres, on va plonger dans les Hautes-Alpes et la région PACA. Et voilà, là, au moment du passage, on découvre majestueux les écrins et qui sont encore très enneigés, superbes. Magnifique paysage dans les nuages. Et c'est vraiment très, très, très beau. Le panorama s'ouvre, spectaculaire, sur la barre des écrins et le sommet de la Meije. Au pied du col, Philippe Lemonnier s'arrête pour rendre hommage au fondateur du Tour de France. Monumental stèle à la gloire d'Henri Desgranges, ancien directeur du journal Lotto. Et son journal était imprimé sur du papier jaune. Et c'est pour ça, comme il sponsorisait le premier du classement du Tour de France, que le premier du classement a un maillot jaune. En poursuivant, Philippe Lemonnier passe par le col du Lautaret. Depuis l'Antiquité, c'est l'autre grand passage entre les Alpes du Nord et du Sud. Il relie Grenoble à Briançon. Au croisement de cinq vallées, la ville est un carrefour incontournable entre la France et l'Italie. Pour défendre ce nœud stratégique, cinq forts surplombent la cité. Protégée par les fortifications de Vauban, l'ancienne ville était une citadelle. À 15 km de la ville, la route monte à nouveau, dessinant d'impressionnants virages en épingle à cheveux. On a quitté la citadelle de Vauban, Briançon, dont la devise était « Petite ville, mais grande renommée ». Et là, on monte vers le col de l'Isoard à 2300 et quelques mètres. On traverse des forêts de conifères dans lesquelles on chemine. Donc, il faut imaginer cette route à l'époque différemment, pas bitumée, mais bien empierrée, et qu'elle était censée servir aux armées tirées par des mules et des chevaux pour rejoindre l'école au cas où on aurait eu à se méfier de nos voisins, notamment italiens. Juste avant le col, Philippe Lemonnier atteint un refuge qui accueille les voyageurs depuis plus de 150 ans. Voilà, devant le refuge Napoléon, sous le col de l'Isoard. On y voit déployer d'emblée, lorsqu'on arrive, l'aigle impérial, qui était celui aussi bien de Napoléon Ier que de Napoléon III. Ce refuge est construit sous le Second Empire, grâce à un legs de Napoléon Ier au département des Hautes-Alpes. Il souhaitait ainsi remercier les habitants des territoires traversés
lors de son retour de l'île d'Elbe. Ces refuges étaient dotés d'un gardien avec une règle très stricte dont les quelques éléments sont les suivants. D'abord, il fallait qu'il soit présent 365 jours par an. Deuxièmement, il fallait qu'en cas de mauvais temps, il se porte au-devant des voyageurs avec une lanterne, s'il y avait du brouillard, s'il y avait de la neige. Et puis, bien sûr, qu'il donne l'hospitalité à ces voyageurs qui passaient l'école, nourris et logés. C'est quand même assez étonnant, quoi. C'est la rencontre entre la route des Grandes Alpes et l'histoire. Après le refuge, le paysage change. Ici, l'érosion a sculpté le calcaire, faisant surgir des crêtes rocheuses au milieu des éboulis. Presque un paysage de dunes, ici. C'est assez extraordinaire comme variété. D'un côté, la roche assez découpée, et de l'autre côté, comme presque des collines de sable. Quand on n'a pas pratiqué vraiment dans la longueur, dans le voyage au long cours, ce massif, on n'imagine pas la richesse rien que pour les yeux. Lorsqu'elle est construite à la fin du 19e siècle, cette route reprend d'anciens chemins muletiers. Dans les Alpes du Sud, c'est l'armée qui est mobilisée. Un travail de titan qui a pris des années. Et nous voilà donc au col d'Izoard. On est devant la stèle qui rend hommage aux armées qui ont construit cette route. On est venu avec des militaires qui ont extrait des carrières souvent locales comme ici, l'empierrement des routes, on a élargi la piste, on a consolidé les virages. Et quand même, c'est un projet qui s'est étalé sur plus de 3 décennies. Cette stèle est érigée en 1934 en mémoire des constructeurs. Et ici, donc, on peut voir effectivement de façon un peu plus détaillée le nom et les numéros des bataillons de chasseurs alpins qui ont participé à cette construction. Et on parle bien de route stratégique, donc de militaire. On voit bien l'Ave Maillet Michelin, ça c'est assez beau. J'espère qu'ils y resteront très longtemps. Après le col de l'Izoard, Philippe Lemonnier entre dans un paysage grandiose. La casse déserte. Ici, le travail de l'érosion est encore plus marqué. Sur 2 kilomètres, la route serpente entre les carnioles. Ces aiguilles de calcaire qui jaillissent des éboulements. Cette curiosité géologique est la porte d'entrée du parc régional du Queyras, le moins peuplé de France. Puis l'itinéraire suit la vallée du Guil, une voie d'accès naturelle vers le Piémont et l'ancien royaume de Savoie. Pour la défendre, le fort Queyras est bâti au Moyen Âge, puis renforcé par Vauban au XVIIe siècle. Ces vallées étaient aussi empruntées par des convois muletiers pour le transport de marchandises. Allez, un petit coup de talon, on y va. Bientôt en Italie. Aujourd'hui, une randonnée transalpine emprunte ces chemins anciens qui mènent en Italie. Ces chemins étaient empruntés autrefois par les troupeaux de moutons et leurs bergers qui montaient par ces sentiers à leur estive. C'était également les mêmes chemins que suivaient les maîtres d'école, les colporteurs, tous les gens qui quittaient le Queyras en hiver pour faire un second métier au pays de plaine. La randonnée est menée par Esteban Lara. Ce Chilien d'origine sillonne ces vallées depuis plus de 10 ans. Les cavaliers atteignent leur premier sommet, le col Fromage, à 2300 mètres d'altitude. Ouais, en face, roche brune, col de l'Histoire. Après toute la crête dentelée là-bas, c'est Côte Belle. Le grand pic de roche brune est le point culminant du massif du Queyras. Les paysages sont typiques des Alpes du Sud. Tu as un couvert moins important au point de vue forestier, des plantes méditerranéennes, un fort ensoleillement.
Et ce sont aussi des terres à moutons, avec des alpages également plus propres à l'élevage bovin. Mais on voit vraiment des paysages où l'homme a vraiment valorisé le territoire et il a dessiné. Faut bien guider le cheval ici pour pas qu'il parte sur les côtés. Ce que j'aime beaucoup, beaucoup ici, c'est qu'on fait 7 jours de randonnée. Il n'y a pas une seule barrière. On n'ouvre rien, on ferme rien. On est en liberté totale. On se déplace partout. C'est ça qui est bon ici. Après une dizaine de kilomètres, Esteban emmène les cavaliers vers un lieu de pèlerinage ancestral, la chapelle Saint-Simon. Et voilà la chapelle Saint-Simon. Oui, il y a toujours le pèlerinage. Chaque année au mois d'août, les habitants viennent ici en procession pour vénérer Saint-Simon. Sa source était réputée soigner les maladies des yeux. Rebâtie au 19e siècle, la chapelle est typique de ces constructions de montagne. Du point de vue de l'architecture, les chapelles d'alpage, elles sont toujours construites sur un emplacement bien visible, bien repérable. Et du point de vue du mode de construction, tu auras toujours un clocher-mur. C'est-à-dire, ce n'est pas un clocher difficile à construire. Là, on le voit bien, on a simplement surélevé le mur pignon de façon à pouvoir faire un petit clocher dans lequel, sous l'arcade, tu loges la cloche. En descendant, les cavaliers retrouvent les forêts de Mélèze avant d'arriver à Saint-Véran. À 2000 mètres d'altitude, c'est une des communes les plus élevées d'Europe. Le village est construit tout en longueur pour que toutes les habitations profitent de l'ensoleillement. À l'entrée, les cavaliers sont accueillis par une croix typique du Kérat. Ces croix de mission sont fréquentes en Kérat. Elles sont toutes de cette période, entre les années 20 et les années 60. Et elles portent les instruments qui ont servi au martyr du Christ. Donc, par exemple, tu as les deniers de Judas, qui a trahi pour 30 deniers. Alors, l'ensemble des instruments, les tenailles, les clous, la lance pour percer le côté, etc. Tu as le coq qui rappelle que Pierre a trahi Jésus avant que le coq ait chanté 3 fois. Et on peut penser que le coq et donner lieu à cette expression devenue proverbiale aujourd'hui. À Saint-Véran, le coq picore les étoiles. Nous sommes à 2000 mètres d'altitude. Dans le village, les maisons les plus anciennes sont typiques du Kérat. Une des grandes caractéristiques de l'architecture à Saint-Véran, c'est la fuste. Donc c'est tout ce volume de bois qui correspond en fait à la grange où on va resserrer le foin, la paille, toutes les récoltes qui permettent de nourrir les animaux. Et donc c'est une construction en mélèze, très fonctionnelle, de par les balcons à l'extérieur qui sont orientés au sud, qui permettent de sécher les récoltes à l'abri de la pluie avec le toit qui avance suffisamment pour les protéger. Ce sont des maisons qu'on appelait maisonnement dans les archives, ce qui montre bien qu'il n'y avait pas de dépendance à l'extérieur pour éviter d'avoir à marcher dans la neige pour aller chercher son bois ou soigner son bétail. Donc on a des maisons qui sont d'abord très fonctionnelles. Certaines d'entre elles sont ornées de cadrans solaires. Au 19e siècle, un peintre piémontais sillonne le Kérat, Giovanni Zarbula. Ses œuvres se reconnaissent aujourd'hui au dessin de fleurs, marbre en trompe-l'œil et peinture d'oiseaux. Les cavaliers font étape à Saint-Véran pour la nuit. Demain, ils devront franchir le plus haut col de cette randonnée. Aujourd'hui, ils vont parcourir 20 km pour atteindre l'Italie.
Le chemin commence par la montée vers le col Blanchet. Alors, ça donne envie de se baigner? Non. Nous, on ne va pas passer par passer la jument, on va passer plutôt en amont. Par là, par là. Ce chemin accidenté était une voie de passage fréquentée par les contrebandiers et passeurs jusqu'à la dernière guerre. Allez, les 15 derniers mètres. Regardez comme c'est beau derrière. On voit encore Roche-Brune. Et là, on arrive à la frontière. Regardez, là, je suis à moitié France-Italie. Avec la Nebbia qui nous accueille de l'autre côté. C'est quoi la Nebbia? La Nebbia, c'est les brouillards. Et comme vous voyez, ça arrive souvent que la météo change. Côté français, s'il fait assez beau. Et côté italien, on fait toute la chaleur qui remonte de la plaine du Pô et que ça fait remonter la Nebbia jusqu'ici. Les deux versants du col ont longtemps appartenu au Royaume de France. Mais au XVIIIe siècle, le côté italien revient au duché de Savoie. Depuis 1713, la frontière se trouve ici, au sommet des montagnes, sur les cols. Et donc, elle est matérialisée par ces bornes qui sont numérotées. On a de ce côté-ci numéro 50 et l'emblème des deux royaumes de l'époque, la fleur de lys du royaume de France et la croix de Savoie, puisque le duc de Savoie possédait le Piémont. Jusqu'au déplacement de la frontière, les habitants des deux versants commerçaient librement. La frontière au col, ça veut dire taxe. Et c'est là qu'on a commencé à voir beaucoup plus de phénomènes de contrebande, notamment le faussonnage, la contrebande de sel. Les cavaliers descendent maintenant en Italie, vers le but de cette randonnée transalpine. Vous passez bien collé à la berge. Ils longent au passage le lac Bleu, aujourd'hui plongé dans la brume. Enfin, ils atteignent le village de Chianal, une étape ancienne sur les voies commerciales entre les deux pays. Ah, ça change complètement de la France, hein, ça. Il y a des pierres, ça. Au cœur du village, des témoignages existent encore de l'époque où le Piémont appartenait au Royaume de France. Esteban, regarde, la poutre est en français et elle est de 1778. Née 65 ans après la cession des vallées briançonnaises d'Outremont au duc de Savoie. Ça reflète vraiment ce regret. On a partagé le pays briançonnais en deux. Des familles ont été complètement partagées à devoir choisir entre deux pays, le duché de Savoie ou le royaume de France, avec ce traité d'Utrecht de 1713. Chianal est un des villages les mieux conservés de la région. Tu as vu les fardasses qui sont mis sur au bout de... Pour protéger contre la pluie. La présence de pierres plus importantes dans le canal, elle s'explique en fait par le territoire. L'architecture de chaque village, il raconte le territoire, parce que tu auras de la pierre là où il y a les carrières de pierre, et tu auras beaucoup plus de bois dans l'architecture s'il y a les forêts. Et là, on voit bien, toi en loze, mur tout en pierre, il n'y a aucune paroi de bois, j'ai regardé. Et ce qui est remarquable, c'est que c'est restauré, mais avec goût, sans matériaux modernes, c'est exceptionnel. Un peu à l'écart de la route des Grandes Alpes, le soleil se lève sur une autre région du sud du massif. Nous sommes à près de 1900 mètres d'altitude. Ces sommets dominent l'un des terrains d'aviation les plus hauts de France, au creux d'un vaste cirque de montagnes. Il est 7 heures du matin. Pour décoller, les pilotes doivent encore attendre que la brume se disperse.
parmi eux, Noël Genet, notre pilote des glaciers. Ici, on est dans le dévoluy. Le dévoluy, en patois provençal, veut dire la pierre qui roule. Et quand vous regardez, il y a beaucoup de pierres tout autour. Et puis, ben, cette piste mythique, parce que ça nous permet de nous déplacer en avion un petit peu partout. Si on veut partir par là, vers les aiguilles, ça va dans la direction de Valence. Et dans cette direction, on peut aller sur Grenoble. Grenoble, un petit peu plus à droite dans le col là-bas, c'est l'Alpe d'Huez. Et derrière cette crête, c'est le parc national des Écrins. Alors voilà, des amis qui arrivent de Grenoble. Ce terrain d'aviation est le QG de l'Association des pilotes de montagne. Noël se prépare pour un survol de la région. Il va emprunter les premières grandes voies aériennes de la traversée des Alpes. Laisse-nous prendre de la vitesse. Ne décolle pas trop tôt. Il est accompagné par un autre passionné d'aviation de montagne aux commandes d'un deuxième appareil. Je suis en place d'un tunnel droite. N'incline pas à droite, surtout. Eh bien, tout ça, c'est le dévoluy. C'est un paysage magnifique. Aujourd'hui, il y a une visibilité extraordinaire. Pas trop de vent, ce qui rend le vol très agréable. À peine les avions ont-ils décollé, qu'une installation étonnante se découpe au sommet du pic de Bure. Alors voilà, nous sommes sur le plateau du pic de Bure. Il culmine à 2780 mètres. C'est un observatoire qui a été construit en 1981. Et ces antennes que vous voyez reçoivent en permanence les vibrations des étoiles. Il y a une quinzaine de personnes qui travaillent là en permanence, avec une relève tous les jours. Les deux avions poursuivent leur route à travers le sud du massif, vers une des plus grandes vallées de la région. Un axe historique entre les Alpes du Nord et les Alpes du Sud. Voilà, nous quittons le dévoluy pour aller vers la vallée du Drac en passant par le col du Noyer. Le Drac prend sa source dans une petite vallée à côté. Il y a le Drac blanc et le Drac noir qui passent par le barrage du Sauté pour aller se jeter dans l'Isère du côté de Grenoble. Cette large vallée est une des routes qui traverse les Alpes vers la Méditerranée. C'est par là qu'a commencé la grande épopée de l'aviation transalpine. Les premières traversées des Alpes en avion se sont faites au départ de Grenoble, en direction de Turin, par les pionniers de notre aviation de montagne. À l'époque, c'était pour battre des records ou pour faire des premières. C'est exactement comme l'atterrissage en haut du Mont Blanc ou du Mont Aiguille. Cela s'est fait par un seul homme, notre maître à tous, Henri Giraud. Henri Giraud est un aventurier des airs. En 1957, il tente d'atterrir sur ce mouchoir de poche, le mont Aiguille au-dessus de Grenoble. Au sommet, une équipe prépare son arrivée. Le Chouka parvient à se poser, profitant de la pente du terrain pour se freiner. Ces prouesses ont permis de perfectionner l'atterrissage en montagne et de réaliser de nombreux sauvetages. L'avion de Noël s'approche maintenant du Trièves, une région au sud de Grenoble. Bien là, on va arriver dans le Trièves. C'est une très grande vallée entourée de montagnes et on voit qu'il y a beaucoup plus de champs cultivés et beaucoup plus grands. Montmeilleur du Fox Patrick Yankee, X-ray uniforme, bonjour. On est à 2 minutes du terrain de Montmeilleur. Eh bien, on est en finale sur le terrain de Montmeilleur, que l'on voit juste devant nous, et le château est juste devant l'aile à gauche. En parcourant les Alpes à bord de son avion, Noël fait vivre le réseau des altisurfaces. Ces pistes d'atterrissage aménagées sur des terrains naturels.
À Montmeilleur, il est accueilli par Ernst, le propriétaire du château. Ici, la piste offre une vue à 360 degrés sur les montagnes. La petite dent qui dépasse, ça, c'est le mont Aiguille. À droite, le grand Vémont. Ah, le grand Vémont à droite. Et puis toute la coulisse du Vercors. Les coins en France sont devenus rares, je crois, où tu peux avoir une vue de 25 km, c'est la distance d'ici au mont Aiguille. C'est splendide. Dominant la plaine, le château de Montmeilleur est une ancienne forteresse médiévale. À la Renaissance, il a été transformé en demeure de plaisance. Alors là, vous voyez les quelques éléments historiques, les fenêtres à meneaux et cette tour octogonale qui remonte bien au Moyen Âge. Il faut les voir historiquement, hein, sans les petits chapeaux, mais avec des créneaux. C'est toujours sympathique de venir se poser ici. L'avion nous rapproche de tous ces sites. On se déplace d'un site à l'autre très facilement, très rapidement. Les pilotes repartent en direction de l'est, vers la vallée de la Durance. Eh bien, on arrive bientôt à la montagne de Saint-Genis, qui est juste devant nous. Et juste derrière cette crête, il y a toute la plaine de Sisteron, une plaine environ de 30 km. De l'autre côté de la montagne, l'avion suit la Durance et arrive en vue de Sisteron. Eh bien, c'est un étranglement où une citadelle a été construite pour éviter les invasions. Elle est très connue depuis le passage de Napoléon, qui est revenu de l'île d'Elbe en remontant sur Grenoble, en passant par Segoulé. Ça a marqué la vie du village. Nous arrivons sur le canal. Ce canal a été construit il y a une cinquantaine d'années pour réguler le débit de la Durance, qui avait des crues monstrueuses et qui rongeait tous les terrains, dans tous les méandres, tous les terrains cultivables. Depuis les débuts de l'aviation, la vallée de la Durance est un accès privilégié vers le sud. C'est une voie très facile pour la navigation, car nous ne sommes pas enfermés entre des vallées, dans des vallées étroites. Et c'est un passage très fréquenté par les avions. Un siècle après les premiers exploits aériens, le pilotage en montagne est surtout devenu une nouvelle façon de voir les Alpes. Ben, c'est un plaisir pour les yeux et chaque fois que l'on passe un col, une crête, c'est totalement différent de l'autre côté, ce qui fait la beauté du spectacle. En s'approchant de la Méditerranée, la route des Grandes Alpes traverse le Mercantour. Le col de la Cayolle est à la limite des Alpes de Haute-Provence et des Alpes-Maritimes. Jean-Loup Fontana est conservateur du patrimoine. Ce spécialiste de la route des Grandes Alpes s'engage sur le tronçon qui monte vers la Cayolle, le long du Bachelard. Ce torrent a creusé la montagne en un relief accidenté. C'est un passage qui est assez scabreux, hein. C'est donc une route pour laquelle on va construire des ouvrages superbes sur le Bachelard, de magnifiques ponts, des viaducs en pierre de taille avec des ferronneries. Ils sont très jolis. Ils traduisent presque une sorte de domestication d'une nature qui est a priori plutôt hostile et plutôt sauvage. Une de leurs particularités, c'est d'avoir des culées ajourées de manière à, s'il y avait un jour une crue très 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 importante du torrent, de pouvoir avoir des passages supplémentaires en plus de l'arche centrale. En franchissant le Bachelard, Jean-Loup Fontana entre dans le parc national du Mercantour. Pour moi, le col de la Cayolle
est le plus joli, tout simplement. C'est un paysage de pelouse d'alpage, évidemment, entrecoupé de petits filets de torrents, creusé de milliers de terriers de marmottes, parcouru par de petites cascatelles. Et c'est un paysage qui, par sa situation en zone centrale du parc national du Mercantour, est, je dirais, idéalement protégé. Ce versant du col est depuis toujours un alpage pour les troupeaux de moutons venus de Provence. Jean-Loup Fontana parvient au sommet, à la limite entre les Alpes de Haute-Provence et les Alpes-Maritimes. Dans une magnifique lumière d'orage, le panorama s'étend sur les sommets du parc du Mercantour. Notre conservateur entame alors les premiers lacets du versant méditerranéen. C'est un paysage qui est donc très alpin, mais en même temps qui est complètement orienté du côté de la Méditerranée. Donc on a cette espèce de refuge d'une faune et d'une flore qui sont typiquement alpestres. Je prends les pins sambro qui sont ici au bord de la route. C'est un arbre de haute montagne et on l'a ici à une centaine de kilomètres à peine du rivage méditerranéen. La route des Grandes Alpes longe le Var dans sa première partie, puis se poursuit sur les flancs du Mercantour. Finalement, après une soixantaine de kilomètres en lacets, Jean-Loup Fontana arrive en vue d'un village construit en nid d'aigle. Robion est installé au pied d'aiguilles de formation dolomitique qui sont assez érodées, qui sont assez spectaculaires, et le village qui est venu se caler dessous pour surveiller toute la vallée, parce que le village de Robion était une sorte de citadelle d'une très puissante famille féodale qui était la famille des Grimaldi. À l'écart du village, il rejoint un chemin modeste, l'ancienne voie de communication entre les villages de la vallée. Sur ce chemin muletier ancien, donc, se trouve un petit trésor, un véritable petit bijou, qui est cette ravissante chapelle Saint-Sébastien. Alors, c'est un édifice qui a, sur le plan de la construction, exactement les caractéristiques qu'aurait une grange ou une écurie. Et indépendamment de cette apparence modeste, on a à l'intérieur un petit trésor artistique. Ce décor est certainement parmi les plus jolis que l'on puisse rencontrer dans les Alpes-Maritimes. Ce n'est pas le plus spectaculaire des chapelles peintes, il y en a plusieurs dizaines le long de la route des Grandes Alpes. Mais ici, nous sommes dans un édifice très modeste et on a un décor très complet qui a été réalisé. Toute la surface de la chapelle est recouverte par des peintures du XVIe siècle. Et parmi ces motifs religieux, une frise caractéristique. La frise des vices qui se développe ici. Donc vous avez la gueule de l'enfer avec le monstre diabolique et le diable qui jouent du tambour et du fifre pour conduire ce cortège qui représente les différents vices, les sept péchés capitaux. On peut reconnaître la colère qui se transperce, la gloutonnerie qui s'enivre et finalement la paresse, affalée sur son âne. La chapelle est dédiée à Saint-Sébastien, que l'on reconnaît aux flèches de son martyr. Ces flèches, en fait, symbolisent la colère divine. Dieu veut punir l'humanité méchante et malfaisante, et pour ça, il lui envoie des flèches. Et ce que sont ces flèches, c'est tout simplement les épidémies, les grandes épidémies de peste, bien évidemment, et puis toutes les épidémies successives que l'on connaît. Or,
Sébastien survit à ses flèches, à ce martyr, donc Sébastien peut protéger contre les épidémies. Et cet oratoire a une fonction, on pourrait dire, de sentinelle, de vigilance au bord du chemin. Il est censé empêcher le passage de quelqu'un qui serait atteint de la maladie. Et ça protège la communauté de Roubion. En repartant, Jean-Loup emprunte une route ancestrale, taillée à flanc de montagne. Quand la route des Grandes Alpes est conçue, elle reprend ses voies à la fois stratégiques et pittoresques. La route des Grandes Alpes, lorsqu'elle a été créée, il faut le rappeler, à l'initiative de l'état-major qui souhaitait bénéficier de routes alpines lui permettant de desservir la frontière. Mais cette route des Grandes Alpes, très tôt, est devenue aussi un itinéraire à vocation touristique parce que les gens qui séjournaient sur la Riviera française, la Côte d'Azur, Nice, Cannes, etc., l'hiver, souhaitaient gagner leur résidence estivale de montagne dans les Alpes du Nord. Et pour ce faire, utiliser la route que l'on mettait à leur disposition et surtout les célèbres cars alpins. Ces cars alpins sont l'idée du Touring Club de France, la première association de promotion du tourisme itinérant. Ils rencontrent un succès immédiat. En 1911, plus de 15 000 personnes se lancent sur les pentes des Alpes à leur bord. Pour la première fois, des touristes viennent découvrir les cimes alpines sans effort. À proximité de la route, Jean-Loup Fontana nous emmène découvrir ensuite l'étonnant massif de l'Authion. Un promontoire aménagé par les militaires pour défendre les lieux de passage entre la Méditerranée et l'Italie. De là, on domine un panorama tout à fait étonnant, gigantesque, de plusieurs centaines de milliers d'hectares, avec les sommets de la ligne de crête qui marque la frontière franco-italienne dans l'axe du chemin, qui est un chemin militaire, hein, d'ailleurs, que nous avons là. Et droit vers le sud, les derniers contreforts des Alpes, là où les montagnes se jettent à la mer, littéralement, qui domine donc la baie de Garavan à Menton. Ce lieu stratégique est surmonté d'un étonnant petit fort, la Redoute des Trois Communes. Édifié en 1897, ce bâtiment militaire est l'un des premiers à être construit en béton armé. Une étrange association d'un ouvrage dont les trois faces tournées vers la frontière et vers l'ennemi potentiel italien ont été réalisées en béton armé. Et puis, une belle construction en pierre de taille, côté français, celle-ci, avec une série d'ouvertures largement ouvertes, puisque, en principe, elles ne risquent pas le bombardement. Les matériaux innovants côtoient des détails traditionnels, comme ces postes de tir en tourelles. La façade porte encore les traces des combats de la Deuxième Guerre mondiale. Jean-Loup Fontana aborde son dernier tronçon de route, au départ de Moulinet, le long de la vallée de la Bévéra. Cette route qui descend donc la vallée de la Bévéra était un chemin de romérage. Le romérage, c'est un pèlerinage, mais à courte distance. Et la route est ici bordée d'une série de petits oratoires, comme on en voit un ici sur la droite. Petits oratoires qui sont des stations, finalement, du chemin de croix que l'on suivait au long de cette procession, de ce romérage, jusqu'à Notre-Dame de la Menoure.
Le sanctuaire de la Menour est assez surprenant parce que c'est vraiment un rocher qui domine complètement la rupture de pente de la vallée avec la gorge et qui tombe d'un seul coup, très brutalement. Perché sur son éperon rocheux, le lieu a servi d'avant-poste pour la défense du village. Transformée plusieurs fois au fil des siècles, la chapelle fait encore l'objet d'un pèlerinage annuel. Une douzaine de kilomètres plus loin, Jean-Loup s'approche de Sospel, une des étapes incontournables de la route des Grandes Alpes. Quand on est à Sospel, où que l'on aille et d'où que l'on vienne, il faut passer un col. Il y a un carrefour routier tout à fait extraordinaire qui explique que depuis l'Antiquité, il y ait cet endroit d'étape, c'est-à-dire un endroit d'hôtellerie. Un des chemins les plus importants qui passe par Sospel dès le XVIIe siècle, c'est la route royale entre Nice et Turin. Un itinéraire marchand qui garantit à la ville une prospérité importante. L'arrivée historique à Sospel se déroule par cette route royale et nous arrivons sur la place Saint-Michel, qui est un espace extraordinairement théâtralisé, bordé, frangé de palais. C'est là que les notabilités étaient accueillies. Ce n'est pas une place de marché, ce n'est pas du tout une place de fête. C'est vraiment un lieu de théâtralisation qui est typiquement dans l'esprit baroque. Il y a un décor qui est le décor architectural composé par les façades. Et deuxième élément, c'est les différents niveaux auxquels on se situe. Au fur et à mesure que l'on va s'élever dans la hiérarchie sociale, eh bien, on va monter un certain nombre de marches qui vont différencier. Donc on a le palais aristocratique, il a deux marches, la chapelle de pénitents, elle en a trois. Et quant à la cathédrale, il y a carrément un parvis monumental de 8 marches ici qui donne accès au lieu du culte où tout va se dérouler. À l'intérieur de la cathédrale, le style baroque s'exprime aussi de façon extraordinaire. C'est un des édifices baroques les plus monumentaux et les plus prestigieux probablement que l'on puisse voir le long de la route royale ou de la route des Grandes Alpes. Ici, le chœur est certainement l'élément le plus remarquable de cette architecture parce qu'il imite en quelque sorte ce qu'on appellerait un théâtre à l'italienne avec de véritables loges de théâtre. C'est comme si les saints qui sont représentés sur les tableaux assistaient au spectacle qui se déroule sur le maître-autel. Un détail étonnant orne le plafond depuis les années 50. À la voûte, ici, il y a cette particularité. La cathédrale est placée sous le vocable de Saint-Michel, donc on a à l'entrée de la nef une représentation de Saint-Michel terrassant le démon. Il se trouve qu'à la fin de la dernière guerre, une bombe est tombée sur ce bâtiment. Il y avait un trou et la peinture, évidemment, a disparu à ce moment-là. Et un peintre du village, au moment de la restauration de l'ensemble, a proposé de restituer ce qui manquait, c'est-à-dire le démon. Et il a peint, dans son goût, donc la manière des années 50, il a peint un démon qui est très surprenant parce qu'il n'a rien à voir avec les peintures baroques d'origine. Mais il était intéressant, historiquement, de le conserver. C'est un élément du patrimoine. On accédait au quartier commercial de la cité par le pont vieux. Comme le montre fort bien l'espace ouvert de ce pont vieux, qui était peut-être une tour de péage, c'est relativement étroit. Donc on a une route où deux mulets chargés peuvent se croiser, mais où il est hors de question de faire circuler des véhicules à roues, des charrettes, etc. Cette route plus large est donc construite au XVIIIe siècle, à l'extérieur de la ville. Résultat de l'affaire,
on va avoir la partie active de la cité qui n'est plus traversée par la route. Or, les gens, ils avaient édifié leurs façades, leurs devantures pour montrer leur prospérité, leur richesse. Ça ne se voit plus puisque la route, elle est là désormais. Donc, ils vont inverser complètement le schéma ornemental de leur demeure, en particulier en peignant les façades arrière de leur maison de manière à ce qu'elles redeviennent visibles depuis la voie de circulation. De Sospel, la route des Grandes Alpes parcourt encore une vingtaine de kilomètres avant d'atteindre la Méditerranée. C'est la fin de notre voyage de 680 km sur cette voie de légende entre le lac Léman et Menton.